Salut à tous et bienvenue pour votre séance d'entraînement cardio-boxing. Aujourd'hui, on va travailler sur 16 minutes, 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération avec 4 mouvements. N'oubliez pas, quand vous voulez dans la séance, vous pouvez bien évidemment vous hydrater. Avant de commencer, on va s'échauffer un tout petit peu. Vous placez vos pieds à l'extérieur des hanches. Levez les bras, inspirez, on s'étire. Soufflez, relâchez, placez les mains derrière, levez la poitrine. Parfait, on étire un peu les épaules, ramenez le bras assez proche de vous. De l'autre côté. Profitez en même temps de la vue qui est juste derrière moi. Placez votre jambe droite ou votre jambe gauche derrière, on descend en fente. La jambe est tendue, ouvrez légèrement le genou, la poitrine est haute. Et changez de côté. On est parti pour 16 minutes avec des mouvements cardio et boxe. Vous êtes prêts? On part dans 10 secondes. Vous allez placer votre jambe droite ou votre jambe gauche devant. Levez votre garde et le premier mouvement, ce sera le direct. Et vous changez de garde, évidemment, quand vous le voulez. On y va? 30 secondes, c'est parti, direct. Allongez votre frappe, visez une seule cible droit devant. Et au niveau des poings, vous allez tourner légèrement la paume de main et le pouce vers le sol. Le premier tour, c'est tranquille. On découvre les mouvements, on respire, hop, changez de garde. Ça, c'est exactement quand vous voulez. Allez, encore 5 secondes de travail. 3, 2, 1, stop. Bien, relâchez un peu vos épaules. Vous allez voir, ça va brûler très vite au niveau des épaules et le cœur va aussi monter rapidement. Vous avez encore 20 secondes pour récupérer, alors respirez. Je vous montre le deuxième mouvement. Installez-vous, vous aurez votre pied droit ou votre pied gauche devant. Uppercut. Cette fois-ci, on frappe vers le haut. Et esquive latérale, aller-retour. Yes. On part dans 5 secondes. Mettez-vous en place, serrez les poings, rentrez le menton, c'est parti. Uppercut. Esquive, hop, hop. Hop, hop, super. Un léger déplacement sur le côté, pliez les jambes, engagez vos hanches en bas et en haut. 10 secondes, super. Sur l'uppercut, les coudes sont proches des côtes. Dernier, stop. Ah, yes. Troisième mouvement, on va tout faire d'un côté. Et pour le quatrième mouvement, ce sera la même chose, mais de l'autre côté. Pied droit devant, je vous montre. Direct. Et un kick avant. Ça pendant 30 secondes, avec la même jambe sur le kick. On essaie? Allez, mettez-vous en place, on part dans 5 secondes. On a autant de temps de travail que de temps de récupération. C'est parti, direct. 4, 3, 2, 1. Kick, et on revient. Sur le kick, vous n'êtes pas obligé de lever la jambe très haut, mais essayez d'engager vos hanches. On pousse les hanches vers l'avant, on allonge la jambe et on ramène le talon vers la fesse. Essayez ça. 10 secondes. 4, 3, 2, et on relâche. Super. Ce que vous avez fait de ce côté, vous allez le faire de l'autre. Respirez. Et on va faire exactement la même chose. Les directs. Et le kick pendant 30 secondes. Rappelez-vous, le premier tour, on apprivoise le mouvement et on ira de plus en plus intense pour la suite. Ah, encore 7 secondes. Je suis prête, je suis archi prête. 3, 2, on y va? Go! Kick! Là, on a un excellent travail sur le haut et sur le bas du corps. Serrez bien vos abdos, penchez-vous légèrement vers l'arrière, là où vous aidez à lever la jambe. 10 secondes. Allez, 5. Dernier. Stop. Très bien, on a fini le premier tour. Deuxième tour. On va pouvoir augmenter un petit peu les répétitions, ça veut dire que vous allez accélérer vos mouvements. Regardez bien combien vous faites de reps et essayez peut-être à chaque fois
d'en rajouter une ou deux, voire plus, pour vous challenger. Allez, encore 12 secondes pour récupérer. Buvez si vous en ressentez le besoin. Aucun problème, vous faites vraiment les pauses quand vous le voulez. 3, 2, on repart sur le direct et le changement de garde. Go! Changez. Très bien, sur ce mouvement, essayez de fixer vos hanches. On les empêche de bouger dans tous les sens. Mais par contre, on essaie de pivoter au niveau du haut du corps en serrant bien les abdos. Secondes. Respirez et relâchez. Très bien. Deuxième mouvement, uppercut avec l'esquive. Si vous avez fait avec votre pied droit devant tout à l'heure ou votre pied gauche, à ce moment-là, changez de garde. Vous avez largement le temps de récupérer. C'est pourquoi je vais vous demander vraiment d'accélérer à chaque tour pour vous challenger et bien sentir votre cœur. On y va dans 7 secondes. On se met en place, l'autre jambe est devant, pas en garde, uppercut, c'est parti. Pliez vos jambes et engagez vos hanches. Essayez d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Une répétition de plus peut-être sur les uppercuts. Et je pense qu'à la fin de la séance, vous allez sentir vos bras, si ce n'est pas déjà le cas. Stop. On récupère. 30 secondes. Ensuite, vous vous rappelez, c'est les deux dernières séries avec les directs et le kick avant. Ok ? 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Ah. Encore 10 secondes. Profitez. On va lâcher un peu vos épaules. 5 secondes, on se place, on garde la même jambe devant et c'est parti, direct. Un kick. Vous commencez à être chaud, poussez bien les hanches vers l'avant, levez la jambe. Très bien. Comptez vos reps, regardez où vous en êtes. 3 secondes, allez, on a le temps. Stop. Relâchez. Oh. On va essayer de faire à peu près le même nombre de répétitions de l'autre côté. Vous savez, moi je ne sais plus à combien j'en suis. Donc je vais essayer d'en faire plus. C'est sûr, je vais accélérer. 15 secondes, on a encore le temps. Profitez-en. Vous avez un petit peu de récupération. 8 secondes encore. N'hésitez pas, buvez. 3 secondes, on se met en place, vous allez changer de jambe et on repart direct. Si vous commencez à avoir votre pied en face de vos yeux, c'est que la hauteur ne doit pas être mal. Mais à tout moment, vous cliquez vers le sol, aucun problème. Allez, 10 secondes. On met de la vitesse, on augmente le nombre de reps. 3, 2, 1, stop. Bien, fin du deuxième tour. On a fait la moitié de l'entraînement. Respirez. Les deux prochains tours vont être un peu plus intenses. Exactement les mêmes mouvements. Par contre, vous allez donner un maximum. Encore 15 secondes. Je sais que vous adorez cette séance. On se met en place. Placez-vous, garde. On range le menton, on serre un peu les épaules, l'attitude un peu du boxeur. Direct, c'est parti. On accélère. On change de garde, quand vous voulez. Tournez les épaules. Envoyez les poings loin devant. Allez, c'est super ce que vous faites. On enchaîne 10 secondes encore. Oui, le cardio monte, mais on est là pour ça. 3, 2, 1, stop. Yes. Récupérez. Prochain mouvement. Uppercut. Et l'esquive latérale. Tout à l'heure, vous étiez de ce côté. Alors, on rechange.
vais regarder un peu les vagues quand même. Je check pour le surf de cet après-midi. 8 secondes, vous avez vu à quoi sert le temps de pause. On se place, pied droit, pied gauche, garde, uppercut, esquive, c'est parti. Imaginez que vous passez sous une corde sur ce mouvement, d'un côté et de l'autre, dessous, dessous. Un super entraînement de boxe. Les frappes ici sont rapides et l'esquive, on est agile. 5 secondes. Stop. Cool. Direct et kick avant. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Je pense que là, vous commencez à sentir un peu vos épaules. Votre cœur, ça on n'en parle plus depuis le premier tour. C'est assez cardio. Allez, encore 11 secondes pour récupérer. Buvez, n'hésitez surtout pas. 5 secondes, on se place. Garde, c'est parti, direct. Un kick. Imaginez votre adversaire droit devant. Vous allez viser le nez. Et ici, on vise plutôt l'estomac, voire les côtes, voire la tête. Plus vous frappez vite, plus vous êtes efficace. 4 secondes. Dernier. Stop. Bravo. On va pouvoir changer de côté. Bien tout le monde, marchez un peu. N'hésitez pas à tirer vos épaules si ça pique. Vous avez fait plus de la moitié. On est au bout. On se place de l'autre côté, tout de suite. Reprenez vos esprits. Une grande respiration directe. On y va. Le kick. Allez, on essaie de dépasser son nombre de répétitions. Expirez sur les frappes. 8 secondes, accrochez-vous. Allez, une dernière. Stop. Yes. On a un dernier tour. Dernière ligne droite, je compte sur vous. Enroulez vos épaules. Vous avez le droit de faire ça si vous voulez, c'est pas un problème. Évitez de vous écrouler, c'est plus dur pour remonter après. Dernier tour. Toujours 30 secondes, 30 secondes. Par contre, vous mettez un maximum d'intensité. De la vitesse, de belles amplitudes. Donnez votre max. On s'installe. Les directs dans 3 secondes. Go. Là, je parle plus beaucoup. Je mets de la vitesse et j'espère que vous en faites autant. Ça se passe uniquement dans votre tête. Juste un peu dans les bras, mais beaucoup dans votre tête. Allez, 7 secondes. Accélérez. 4, 3, 2, stop. Yes. Deuxième mouvement. Uppercut. Esquive. On change de jambe par rapport à tout à l'heure, vous vous souvenez? 20 secondes encore. Respirez. Pour respirer, vous ouvrez la poitrine. Ici, on a assez d'air. C'est pas mal. 10 secondes encore. Commencez à vous installer. Changez de jambe. Levez la garde. Pliez les jambes. C'est parti. Go! Uppercut. Esquive. Soyez réactifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on serre les abdos et qu'on bouge rapidement. On sort de la garde et on y revient. 10 secondes. Très bien. 5. Et stop. Cool. Deux tours. Deux mouvements plutôt. Les mêmes. Un d'un côté, un de l'autre. 30 secondes, 30 secondes. Et on aura fini cette séance.
prenez le temps, encore 15 secondes pour récupérer. 10 secondes. On va reprendre direct et le kick avant, ok? Je veux voir un super kick avec les hanches vers l'avant. On s'installe, c'est parti. Kick. Enchaînez rapidement les mouvements. Aucune pause. Aucun répit pour votre adversaire. Aucun répit pour votre cœur. 15 secondes, plus vite. 10 secondes. 5, 3, 2, et stop. Yes. 30 secondes de récup et les dernières 30 secondes de travail. Ouh. C'est parfait. Allez, encore 15 secondes pour récupérer. Les mouvements sont les mêmes, mais avec l'autre jambe devant, ok? On part dans 8 secondes. Retrouvez vos esprits. On se remet en place dans 4, 3, c'est parti. Dernière ligne droite. Faites-vous confiance, allez jusqu'au bout. Les 15 dernières secondes, plus vite. 10. 4, 3, 2, oh, stop, yes, récupérez un peu, on fait redescendre le cœur, placez vos pieds à l'extérieur des hanches, levez les bras, soufflez, relâchez, on étire les épaules, bravo à tous, j'espère que cette séance vous a plu, j'espère que vous sentez bien votre cœur. Encore une fois, bravo à tous et à très vite. Salut !